Alors hier, l'allée, c'était un miroir de glace. Il y en avait partout, partout, partout. Ça a fondu. Et quand on descend, qu'est-ce qu'on trouve? À part un chat et un chien, qu'est-ce qu'on trouve? On descend. Là, c'était pareil, un peu enneigé, glacé. Ce matin, je suis passé, j'ai amené des affaires au tipi, c'était sec. Et là, maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voilà, j'avais de l'eau jusqu'en haut des bottes. Je ne sais pas quelle hauteur font les bottes, là, mais ça vient un bon 40 ou 50 cm d'eau. Voilà. Voilà. Alors j'ai pris la pelle, puis j'ai fait des petits chemins. J'ai fait des petits chemins pour que l'eau elle sorte là. Voilà. Et puis, j'ai pelleté un peu partout là. La sloche. Et puis, j'ai fait un chemin pour que l'eau s'écoule dans le fossé. Alors, ce matin, le fossé était sec, hein, il était vide. Là, il est plein jusqu'en haut. Voilà, donc là, voilà, je fais des petits chemins. Je fais des petits chemins. Donc là, l'eau s'écoule dans le fossé. Voilà, je pars dans le fossé, comme ça, tranquille. Et puis ici, j'ai mes petites plantations d'arbres. Alors, les arbres étaient complètement noyés. Voilà. Donc là, j'ai fait des grands fossés pour que l'eau s'écoule. Puis là, la pergola, bah, elle est sous l'eau. La pergola, j'ai des kiwis, j'ai de la vigne. Dedans. Et puis, il faudrait qu'un jour, je creuse un petit fossé pour drainer. Il faudrait que je prolonge le fossé qui existe. Bah, bah voilà. Voilà, voilà. J'ai joué dans l'eau pendant une heure. Puis j'ai été dégagé au bord de la route pour que l'eau s'écoule, parce que la buse était bouchée. Alors quand j'étais petit, je m'amusais à Méréville à faire des barrages sur une source. Et puis je faisais plein de barrages, je mettais des plantes aquatiques, puis on mettait des grenouilles et des poissons. Et bien, maintenant je fais le contraire. Maintenant je m'amuse à faire sauter les barrages et à faire couler l'eau. Comme quoi, hein, quand on vieillit, on a d'autres jeux. Voilà, voilà. Oh, le fossé qui était vide ce matin est plein, donc là j'ai pris la pelle et j'ai dégagé parce que la buse était bouchée. Voilà, et là l'eau elle continue son long voyage vers l'océan. Donc là elle descend, elle descend, elle descend. Et puis elle va rejoindre la petite rivière là-bas au fond, après la rivière des Outaouais, après le Saint-Laurent, puis après elle arrive dans la mer. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Ben nous, on l'a retrouvé. Tant pis.